Jubilé 2023, vos paroles sont une lumière pour mon chemin. Sœur Dolores Blanchette, 75 ans de vie religieuse. Sœur Rita Schiller, 70 ans de vie religieuse. Sœur Dalice Beth Rary, 25 ans de vie religieuse. Bienvenue à toutes et tous à notre célébration jubilaire ce matin. S'il vous plaît, levez-vous pour notre chanson d'ouverture. Nous chanterons ensemble les versets 1, 2 et 4. Bonjour, soyez les bienvenus à cette célébration eucharistique qui marque le début de notre journée jubilaire. Nous sommes très heureuses de vous voir ici, dans notre belle chapelle, réunis pour cet événement communautaire où nous célébrons le 70e anniversaire de vie religieuse de sœur Rita Schiller et le jubilé d'argent de sœur Beth Rary. Comme vous pouvez le remarquer, nous nous souvenons aussi de sœur Dolores Blanchette, qui devait célébrer son 75e anniversaire de vie religieuse avec nous, mais comme elle est décédée au début de ce mois, nous nous souvenons d'elle ici en allumant une bougie. Le prêtre célébrant aujourd'hui est l'archevêque émérite Sylvain Lavoie, un ami de notre communauté et prêtre Oblat. Il est accompagné du père Gratian Birkchak, aumônier à temps partiel dans notre congrégation. Et il y a une chorale philippine d'Edmonton avec sœur Diane Thibodeau et sœur Hazel Dalton qui l'accompagnent. Bienvenue et merci d'être venu. Nous saluons aussi les membres de notre administration générale qui sont venus de Montréal. Sœur Alba Letellier, sœur Rolande Malot, sœur Anne Hemstock, sœur Hélène Mamère Nga Amogo et sœur Josie Lérios. Il y a des sœurs de la Providence qui nous accompagnent et des sœurs d'autres communautés religieuses. Elles ne viennent pas seulement d'Edmonton et de Calgary, mais aussi de Seattle, Washington. Fidela, Felma et Josie aussi. Alors, je vous souhaite la bienvenue. Si nous nous présentons devant notre Dieu, conscients de notre nécessité de miséricorde, de pardon et de guérison. You were sent to heal the contrite of heart. Glory to God in the highest. Glory to God in the highest. And on earth peace to people of good will. Glory to God. Fidélité, donne-nous de te rendre grâce pour ta bonté envers nos sœurs jubilaires. Aujourd'hui, elles viennent reconsacrer ce don qu'elles ont d'abord reçu de toi. Accrois en elles ton esprit d'amour afin qu'elles se consacrent toujours à ton service et à ta gloire. Accorde-nous cela par Jésus-Christ, ton Fils et notre Seigneur. Ainsi soit-il. Que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. Les lectures et la célébration nous invitent tous à être enracinés dans la foi et à vivre dans l'espérance grandissante de l'amour afin que nous puissions éprouver la joie dans nos vies. Il n'y a pas beaucoup de joie dans notre monde, mais il y a un plan spirituel pour cela. La foi qui est vraiment forte dans l'amour de Dieu pour nous
produit l'espérance qui nous permet d'être capables d'aimer, et cela nous permet d'expérimenter la joie. Alors oui, enraciné dans la foi. Ce que ces gens ne savent pas, c'est à quel point Dieu les aime. Et je pense que ça, c'est le problème dans notre monde aujourd'hui. On ne croit pas vraiment que nous sommes tant aimés par Dieu. Notre foi repose en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Messie crucifié, qui, sur la croix, nous a finalement révélé qui est vraiment Dieu. Quand Jésus est mort sur la croix, ce lourd rideau dans le temple a été déchiré de haut en bas. Le rideau éloignait les gens du Saint des Saints. Maintenant, il n'y a plus de séparation entre Dieu et nous. Et après la mort de Jésus-Christ sur la croix, que voit-on? Nous voyons un Dieu humble, miséricordieux, compatissant. Nous voyons l'amour inconditionnel, le pardon et la non-violence absolue. Maintenant, nous connaissons la ressemblance de Dieu et la mesure de son amour. Je sais que ses sœurs avaient ce genre de foi il y a 25, 70, 75 ans pour donner leur vie, pour rendre leur vie à Dieu. Elles ont été appelées à grandir dans l'amour. Jésus, bien sûr, a toujours eu comme objectif principal l'amour. L'amour du Père pour lui, son amour pour le Père et son amour pour nous, et il nous appelle à aimer tel qu'il nous a aimés. Et il nous a donné un nouveau commandement. Avant, je pensais qu'il était basé sur le schéma. Le connaissez-vous? Le grand schéma du judaïsme. Aimez Dieu de tout votre être. Et donc, Jésus est allé retrouver dans le Lévitique cette petite loi cachée sous toutes les autres. Aimez vos prochains comme vous-même. Et il a donné la même importance à ce commandement qu'au schéma. Je pensais que c'était une nouveauté, mais pas vraiment. Maintenant, je pense que la nouveauté est celle qu'il nous a donnée aujourd'hui. Aimez-vous les uns les autres comme il nous a aimés. Cela, c'est du nouveau. Regardez comment Jésus nous a aimés. Est-ce que quelqu'un peut aimer de cette manière? On parle de l'amour total, inconditionnel. Et il nous a même demandé de pardonner à nos ennemis. Donc, lui, il vivait vraiment l'Évangile, comme je pense que ses jubilaires ont vécu l'Évangile pendant toutes ces années, en aimant comme Jésus nous a aimés. Et le résultat, Jésus le dit, c'est qu'on va ressentir de la joie. La joie vient du fait de rendre les autres heureux, de prendre soin des autres. C'est un don du Saint-Esprit, comme la sérénité, la paix. Et nous pouvons les revendiquer, peu importe ce qui se passe dans nos vies, car il ne s'agit pas d'émotions qui vont et viennent. On parle des dons du Saint-Esprit parce que Dieu est la joie pure et une joie pure exige de la compagnie. Je pense que nous avons un autre exemple aujourd'hui, outre les jubilaires, Saint-Jean-Baptiste. Aujourd'hui, c'est la fête de la naissance de Saint-Jean-Baptiste. Et cela m'a frappée quand je pense à Marie qui a rendu visite à Élisabeth. Puis Saint-Jean-Baptiste a tressailli de joie. Il a reconnu qu'il était en présence du Seigneur, son cousin, et il a tressailli de joie. Wow! La joie vient de la foi, de l'espérance et de l'amour. Sœurs Rita et Beth, vous espérez atteindre la plénitude de votre engagement baptismal en vous consacrant publiquement à Dieu comme membre des Sœurs de la Providence. Vos vœux de chasteté, de pauvreté et d'obéissance, librement pris, sont votre moyen d'embrasser la vie d'amour que Jésus-Christ nous a donnée. En restant fidèle au charisme de notre fondatrice, la bienheureuse Émilie Gamelin, vous avez cherché à vous mettre au service du peuple de Dieu. Aujourd'hui, je vous invite à renouveler publiquement votre intention de suivre le Christ en choisissant la vie religieuse comme sœur de la Providence. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Moi, Elisabeth Ray, et moi, Rita Schiller, avec le désir de nous consacrer à nouveau à Dieu, en tant que sœurs de la Providence, nous renouvelons devant notre Dieu Providence nos vœux perpétuels de pauvreté, de chasteté, et d'obéissance, sous l'autorité de la supérieure de la congrégation et selon les constitutions des Sœurs de la Providence. Nous implorons avec humilité la miséricorde divine par les mérites infinis de notre Seigneur, Jésus-Christ, l'intercession de sa glorieuse Mère
et la prière des saints patrons de cet institut. Veuille-t-il accepter le renouvellement de ses vœux et nous accorder la grâce de leur rester fidèles. Amen. Et nous répondons. Sœur jubilaire, nous avons le privilège de louer Dieu avec vous pour les nombreuses bénédictions qui vous sont accordées alors que vous renouvelez votre consécration par vos vœux. Nous prions pour que votre vie et votre exemple soient un soutien pour nous alors que nous vivons notre propre vocation. Amen. Félicitations. Providence aimante, écoute notre prière. Nous rendons grâce à Dieu pour nos sœurs jubilaires, qui sont des signes de la providence de Dieu et de sa fidélité aimante au monde. Providence aimante, écoute notre prière. Nous rendons grâce à Dieu pour les familles et les amis des jubilaires, tant ceux présents que ceux qui sont avec nous en esprit, pour leur amour et leur soutien. Providence aimante, écoute notre prière. Nous rendons grâce à Dieu pour les sœurs de la Providence et nous les prions de continuer à porter de l'espérance aux malades, aux pauvres et aux plus réticents à faire connaître leurs besoins. Providence aimante, écoute notre prière. Nous rendons grâce à Dieu pour nos collaboratrices et collaborateurs, ainsi que pour les associés Providence qui nous aident à mettre en pratique la mission des sœurs de la Providence. Providence aimante, écoute notre prière. Nous rendons grâce à Dieu pour les vocations religieuses, notamment celles des sœurs de la Providence, afin que la Providence de Dieu soit mieux connue et aimée. Passons ses offrandes sur ton autel, ô Seigneur, pour célébrer avec l'honneur qui lui est dû la naissance de celui qui a prédit la venue du Sauveur du monde en signalant son arrivée, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Donnons-nous la paix. Frères et sœurs, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, qui nous pardonne, nous guérit et renouvelle toutes choses. Heureux les invités au repas du Seigneur. Give me nothing more than your love and grace. These alone, O God, are enough. These alone, O God, are enough for me. Alone.
Seigneur, au corps et au sang de ton Fils que tu nous as donné en ce joyeux anniversaire, cet anniversaire des jubilaires. Nous te prions pour que nos sœurs Beth, Rita et Dolores puissent parcourir joyeusement le voyage vers toi, ce voyage que Dolores a déjà complété et qu'elle avait commencé depuis déjà longtemps. Nous demandons cela par le Christ notre Seigneur. Amen. Que le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Inclinons-nous et demandons la bénédiction de Dieu. Que Dieu, l'inspirateur de toute bonne résolution, favorise vos desseins et fortifie vos cœurs, afin que ce que vous avez promis, vous le gardiez avec une foi persévérante. Amen. Que Dieu vous accorde de vous hâter dans la joie du Christ sur le chemin étroit que vous avez choisi, en vous réjouissant de porter les fardeaux de vos frères et sœurs. Amen. Que la charité de Dieu fasse une vision de la famille réunie au nom du Seigneur pour montrer l'image de l'amour du Christ. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant bénisse tous ceux d'entre vous qui se sont rassemblés pour ces rites sacrés du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allons dans la paix et la joie pour aimer et servir Dieu et les uns les autres. Nous rendons grâce à Dieu. Oh, yeah.